Bienvenue, bienvenue à Disneyland sur la nouvelle attraction L'Ombre du Mordor. Dans cette montagne russe incroyable en 3D, vous et votre famille pourrez ressentir les meilleurs moments de la communauté de l'anneau. Oh là 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 là, regarde ça, boum, on passe dans la rondelle. Oh, c'est trop bien fait. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et bienvenue. Bienvenue dans l'épisode 43 de L'Ombre de la Guerre. Oh, l'épisode... Oh là là, ces tests, quand mon programme de record il est lancé et que mon GPU il en chie, on est à 49 images par seconde, c'est un peu la misère sexuelle. C'est pas grave, dans tous les cas, bonsoir et bienvenue dans L'Ombre de la Guerre. Baba, pourquoi tu commences sur le menu principal? Parce que l'extension de la Lame de Galadriel est sortie, le DLC est là, et lorsqu'on commence, on a le choix de commencer l'histoire avec Talion ou d'enchaîner avec Eltariel, l'elfette avec qui Celebrimbor s'est remis, s'est remarié après son divorce avec Talion. Tout ceci est absolument honteux. Cependant, brave Jean, cependant, là où ça me dit qu'on a 100 heures de jeu, donc quand même, il y a quand même pas mal de farm, hein, faut pas déconner, 100 heures de jeu et 13 minutes pour un 100%, nous savons, vous et moi, que le jeu n'est pas exactement terminé à 100%, et donc que la lame de Galadriel ne sera commencée que lorsque, bien évidemment, le Lennon sera satisfait. Sur ce, on va tuer des orques. Oh là là là. Morgul me reviendra. Tes armées me reviendront. Et toi aussi, tu me reviendras. Oh là 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 là, ça parle mal, ça m'insulte, ça présume. Oh là là. Avec les, bien évidemment, les images de Stoya et Sauron qui défilent comme une espèce de vieux fond d'écran Windows. C'est pas grave. Impeccable! La loi du plus fort! Maintenant que vous contrôlez la région, vous pouvez envoyer vos partisans combattre dans les fosses. Oui, ça on sait ça. Fosse de combat en ligne. Mais on sait ça aussi. Mais calmez-vous bien. Aïe. J'aime bien le Talion qui se remet. Aïe, qui se remet de la mise à jour, tu sais. Mode photo, plusieurs changements de mode photo, de façon d'immortaliser, d'envoyer un moment préféré de l'ombre de la guerre. Oh! Nani. Attendez, oui, je veux activer le mode photo, me cassez pas les couilles. Ça me lance dans les options, ça ne demande rien. Essayons, brave Jean. Mode photo, alors bien sûr, il y a un zoom, un pivotage, fais voir. On peut pivoter? Ah, pivoter, c'est ça. Oh là 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 là! L'ombre de la guerre! Bouin, bouin! Putain, je maîtrise un. Bouin, 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 bouin! Excellent. Regarde la caméra, caché joueur. Ah, il peut regarder la caméra, ça les centre. Ah, c'est trop bien! Luminosité, saturation, oui. Oh oui, oh oui. Attends une seconde, profondeur de champ. Vignettage, je sais pas ce que c'est. Filtre. Oh, c'est parfait. L'ombre de la guerre. Oh, tu peux faire des trucs tellement dégueulasses. C'est quoi la chute? Putain, tous ceux-ci sont tellement des... Oh, la carte postale grand-maman. T'en fais voir. Oh, trop bien. Oh, le petit portrait que t'as à côté de toi, tu sais, de ton fils qui est parti à la guerre, qui est en noir et blanc, et qui n'est jamais revenu. Oh là là, la petite photo sur la table de nuit de ta grand-mère. L'ombre de la guerre, drogue édition. Apparemment, ils ont refait les capes, elles ont plus l'air d'être buggées. En tout cas, elle est très 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 jolie. Donc, le DLC est sorti et moi je vois le monde en jaune. Pourquoi, chers amis? Parce que j'ai mes lunettes de vue qui sont restées chez Seb et Fred pour le tournage de leur vidéo Harry Potter de JDG. Et donc, j'utilise mes lunettes de soleil de vue. Ce qui fait qu'au final, j'y vois que Pouic. C'est assez pratique parce que quand je les mets, du coup, j'y vois loin, mais j'y vois rien en fait. Et quand je les enlève, ben j'y vois bien, mais enfin j'y vois clair, mais pas loin en fait. Du coup, c'est très peu pratique. Du coup, où en étions-nous? On a été qu'on était en train de reconvertir tout ce monde à la con. On sait pas conquête en ligne. Ce qu'on veut faire, c'est on a repris le fortin au portin, et on veut faire la suite l'aventure. Et pour la suite de l'aventure, il faut qu'on tue des forteresses. Mais Bob, il faut... Bah c'est le gameplay, les enfants. Et il y en a, ils aiment. Ils aiment me voir caresser la joue des orques.
laisser mes doigts courir sur leurs cicatrices, effleurer leurs sens, éveiller leurs sentiments. Oh là là là. Et après, c'est la baise, hein, bien sûr. Évidemment, dans l'ordre. Évidemment, évidemment. Ah, c'est des lunettes gaming, hein, ça dit sur le chat. J'avoue. Allons-y. Va-t-on tuer des forteresses? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, mes excuses, il va falloir un petit temps de réadaptation de gameplay, bien sûr. Voyons voir. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ce matos? Qu'est-ce que c'est que toutes ces nouvelles icônes? Tous ces symboles? Ah, vous avez déverrouillé un nouveau skin pour Talion. Appuyez sur RB pour continuer. Les skins déverrouillés peuvent être... Attends. Ici, les skins déverrouillés peuvent être équipés pour Talion. Les skins sélectionnés n'impacteront ni les armes de Talion, ni les compétences, ni les animations. Le skin de personnages autres que Talion sont juste esthétiques. La voix de Talion restera la même, à quelques exceptions près. Ok, très bien. Au moins, ils ont la politesse de demander. Donc ça, c'est Talion de base. Et ça, c'est... Oh là là, tu peux jouer Eltariel. Vraiment jouer Eltariel pour la beauté de la forme. Et du coup, ça c'est quoi? Chasseuse de l'autorien d'Eltariel. Il faut que je finisse son extension, très bien. Eh ben écoute, ah, vous serez transporté au point le plus proche. Écoute, essayons. Ça ne coûte rien. Faire la gueule qu'elle a. Et du coup les armures, ouais c'est purement cosmétique, hein. Ah ça change quand même la couleur. Eh, il y a quand même un travail qui a été fait, hein. Alors bon, c'est pas... C'est les vieux recolores de DBZZ, hein, DBZ Fighter-Z, mais bon, c'est cool. Du coup, on va garder les armures, plus de chances d'exploser, plus de chances d'exploser. Régénérer de santé de secondes sous les feux, très bien. J'ai les ennemis. Enflamme les ennemis, ça c'est très bien, c'est les grosses attaques. Ça c'est ce lancer de dague, gèle la cible toutes les 5 secondes. Mais ça régénère de l'ennemi lorsque... Ça régénère de la vie lorsqu'un ennemi enflammé est tué. Et ça les exécutions enflamment les ennemis. Mais j'ai des chances de geler la cible. C'est quand même, somme toute, très avantageux. Fais voir les capuches. Ouais tu vois, ça ne change juste que la couleur de la cape. Ah c'est cool, c'est sympa qu'ils y aient pensé. Normalement un skin, d'habitude tu ne te contentes juste de faire un skin à l'arrache et de dire hey, salé, c'est bon, vas-y, fais leur payer 170$ en DLC, c'est gratuit. Et il y a un boulot. Il y a un boulot. Elle a quand même un certain prestige, cette connasse d'elfe. Allons-y. Oui. Oh, fais voir, attends. Fais voir à quoi elle ressemble en fantôme. Oh là là. Oh là là. Bon, c'est pas Sylvanas, mais... Ça fera l'affaire. Nous saurons nous en contenter. Oui. Hop, hop là. Hop. Yop. Hop là. Zup. Je reconnais l'effort de la part des développeurs et je l'applaudis. Parce que quand même, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. Bob, le fantôme de Talion, il a changé, il a une cape maintenant. Ah, cool. Eltariel avec la voix de Talion, j'avoue par contre c'est God Tier. Alors du coup, la défense du fort, est-ce que tout le monde est équipé? Du feu, des flammes, du feu, des flammes. Et en face nous avons des gros levels, un assassin lugubre, un dresseur maudit, un destructeur, un tireur d'élite, un commandant. De toute façon nous ne savons plus jouer donc allons-y. Et donc là t'as Eltariel qui monte sur le truc et qui est là. Vous allez vous battre aujourd'hui pour le féminisme. Chaque le manche peut, allons-y. Le switch. Bam. Bam. Fatna, après t'avoir tué, je prendrai des tripes sur ton cadavre pour décorer cette forteresse. Tu peux y aller. Mes tripes sont cosmétiques. C'est bon, c'est revenu. C'est revenu, j'ai le combo qui est revenu. Bam, bam. Tac, tac, tac. Ah putain, j'ai pas réussi à le comboter, c'est pas grave. Tac, tac. Oh, joli.
très bon combo, ça. J'avais oublié à quel point le gameplay était fun. Bam, bam. Ils sont morts déjà? Ils sont morts, très bien. Là, un géant. Bam. Contrôle mental de la bête, tout doux, tout doux. Ressens mes délicieuses phéromones elfiques. Les elfes sont rapides à reconnaître la cochonnerie. Très bien. Allez, le levier. Et voilà. Ne me demande pas comment ça marche. Je ne sais pas. Allez, ya. Faut monter. Monte. Pardon. Excusez-moi. Continuez, continuez. Hein, ne vous arrêtez pas pour moi. Hop là. Putain, il se défend automatiquement. Swing. D'abord, on prend le fort. Puis on fait que toi un sale goro. De toute façon, c'est tout ce que tu vaux. Il m'a trigger. Mouvement incroyable, Tumblr. Ah putain, l'araignée. Oh, l'araignée. Je peux donner. Accepte ton destin. Accepte que maintenant, dorénavant, tu défendras une juste et noble cause. Tu tweeteras 5 fois par jour. Tu likeras tous mes posts sur Facebook. Et désormais, tu te plieras à ma volonté. Combat à mes côtés. Je serai ton élu. J'ai quand même une voix un peu chelou. Allez, bats-toi. Tac, attention le piège. Ah, anti-saut, bien joué. Est-ce que là on va faire un switch? Mais non, mais non, je veux switcher. Ah, j'ai plus d'esprit. Très bien. Terre du poisson. Le poisson! Oula, 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 oula! Steak! À propos de steak, mange un steak! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que son âme a pas encore réalisé qu'il était mort? Faire la tête qu'elle tire un peu. Oh là là. Décidément, ils arriveront pas à régler le problème inexpressif qu'ont leurs personnages. Hein. Parce que là, j'ai envie de dire... Oui, elle a la bouche un peu entrouverte, mais là... Ah. Et du coup, c'est pas... Bon, c'est pas tout ça. Mais du coup, voilà. Est-ce que l'endroit est un peu défendu ou pas du tout? Où est l'autre ennemi? Là-bas, 42, il en reste un. Allons-y. On va rusher, j'ai dit. Où est-il? Il est encore sur le mur extérieur. Il n'a pas réussi à le franchir. Oh, vigilant face à la furtivité. Ah, ah, ah. Tu as été bien bête d'imaginer garder une forteresse du Mordor. Et si tu crois que toi ou tes traîtres de partisans pourraient survivre à ce jour, tu es encore plus bête que je le pensais. Oh là là, il me parle bien. Enfin, il m'insulte, mais merde. Zoup. C'est un sec d'accès du costaud. Si. Tec, 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 il résiste au froid. J'arriverai à me mettre dans la phase. Arrière. Oh là 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 là, ce que je me bouffe. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, chers amis, parce que les flammes me régénèrent. T'as essayé de s'enfuir, mais je l'ai repéré. Ah putain. Touché. Il m'a flashé. Non. Désolé, minable, c'est raté. Tombe à genoux. Et là, minable, c'est réussi. Tu me sers. À ton service, Seigneur. Madame, et tu respectes. Je te protégerai. Très bien.
Ouais, de la lave qui tombe. Très bien. Survivez à la vague suivante. Eh bien, survivons. Hop. Excellent, nous y sommes. Ça marche bien, hein. Hadouken. Hadouken. Ouh, Gruc le marionnettiste. Excusez-moi, il est en train de faire une chute qui est mal... Oh. Oh là là. Oh là là. Les deux sont morts, non, il y en a encore un. Bah ! Attends, on va y aller soi-même. Swap ! Histoire de faire le travail correctement ! Swing ! On se sent bien à l'abri dans ce joli fort. Attends qu'on suspende ta peau comme une bannière au-dessus des remparts. Et attends que j'utilise la peau de tes couilles comme d'un rideau ! Petit revers matriarcal. Faut pas déconner. Alors, une dague des ténèbres absolues. Il y a une dague en or qui est juste devant là. Je sais pas que je m'en sers pas quand même. Là. Allons-y. Bonjour. Putain, rapide. Couteau. Cette forteresse appartient aux orques, pas aux vermines qui s'amusent à la guerre. Que veux-tu? La guerre m'amuse! Ouah! Oulé, 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 oulé. Ah, j'ai raté mon, on va défendre. C'est brave! Tac! Brûlé! Ouhouillé! Prends ça! Bouc! Bouc! Abattu! Le petit coup de marteau derrière la nuque, et c'est une défense de bastion qui se fait avec grand succès. J'en chie quand même, brave Jean. Je vais peut-être enlever mes lunettes parce que les lunettes de soleil m'empêchent de voir la moitié des pompes, vu que la lumière de mon PC se fait absorber par mes lunettes. Et du coup, c'est un peu baisé. Mais j'ai gagné un point d'aptitude, de l'argent, des tas d'armes et surtout une dague légendaire. Région défendue. J'avoue que les cadavres qui explosent, c'est quand même confortable. Voilà. Bon. Incroyable. Incroyable, incroyable. Un siège est en cours à Cerregost. Il pouvait pas laisser l'endroit pépère. Arbeka le dragon qui garde l'endroit, si je me souviens. Et un siège est en cours à Gorgoros. Très bien. Et donc ça, c'est le chapitre combien? Ça nous dit ou... Ou c'est la baise? Bon, quand même, le skin Eltariel, bon, bah, je sais pas vous, mais moi, je suis à moitié convaincu, un peu séduit, je dois l'avouer. C'est sympathique, c'est sympathique. C'est pas ce qui m'excite, hein, je vous l'avoue. À quoi ressemble son skin autre? Attends, on a vu sa tête pendant une seconde, c'était buggé. D'accord, très bien. Ça, c'est son skin normal, d'accord, avec ça, la super armure. Ok. Bon, écoute, voilà, on va revenir. à notre ami Talion, voilà. Tout de suite, c'est quand même un peu mieux. Avec son armure verte et sa cape ocre, bien sûr, hein, d'une qualité, mais absolument sensationnelle. On peut voir que j'ai... Ouais, tu vois que j'ai le double anneau de feu. Eh, hey, mais du coup...
Ça veut dire qu'une dague des maraudeurs. Une dague des maraudeurs. Il me faut la dague des maraudeurs, là. Si j'ai ça. Je vais avoir ça qui traîne. Oui. Si vous regardez, j'ai le bonus des maraudeurs. Le bonus de trucs. Pourquoi j'avais mis la... C'est cool qu'ils aient mis le symbole à côté. Pourquoi j'ai mis le symbole du belliciste? Pourquoi j'ai mis la dague du belliciste? Qu'est-ce qu'elle a? Les attaques furtives enchaînent les, enflamment les ennemis. Le lancer rapide gèle la cible toutes les 28 secondes. Bah voilà, c'était pas optimisé. Parce que là maintenant j'ai, regardez, la dague des maraudeurs et le marteau des maraudeurs qui me permettent d'augmenter ma puissance de 2% par dollar que je récupère. L'épée de la machine et la cape de la machine qui me permet de faire exploser mes adversaires. Voilà, les ennemis vaincus ont 22% de chance d'exploser, les ennemis vaincus ont 24% de chance d'exploser pour un total de 46%, ce qui est très très sale. Je peux aussi appeler des gens qui se suicident, ce qui est quand même la classe. Rune guerrière, donc ça et ça pour que le truc guerrier, ça me permet de régénérer de la santé lorsqu'un ennemi est enflammé. Un ennemi enflammé est tué, ce qui est ce qui colle finalement avec les explosions et les cadavres qui explosent, donc la qualité, tout ça. Et je me dis qu'en termes de compétences, peut-être que je vais devoir rééquiper, voilà, garde de fer, histoire d'appeler justement plus de sapeurs. Ils ont corrigé le bug où les deux étaient superposés, c'est plutôt une bonne chose. Excellent. Excellent, excellent. Par contre, je ressens plus à un Talion maudit là, que se passe-t-il? Est-ce que je suis maudit? Oui, parce que je suis un Nazgûl, enfin presque. L'histoire exige que je sois en pleine conversion. Hé hey! Merde alors! Bah merde alors, pourquoi je suis beau? Oh, la cape de Batman, trop stylé. J'aimais bien quand il n'en avait pas, mais écoutez, c'est un choix. Bah merde alors, changer skin. Enlever le skin, ah! Tu peux choisir d'être Talion ou Dark Talion. Voilà, là mes excuses. Voyons voir. Ah, voilà le côté obscur. Je préférais sans sa capuche en Nazgûl, mais pourquoi pas. C'est sans importance. Aussi, accessoirement, il faut que je pense à utiliser la capacité nécromancie. Ce qui est X et Y en même temps. X et Y en même temps. Oui, bah écoute. S'il est content, le dradra, on va le laisser être un dradra. C'est un dradra, il est content. Zuep. Donc on va aller défendre notre fort. Notre fortin. En plus, brave Jean, je crois, je sais pas combien d'épisodes j'ai fait dessus, peut-être deux défenses de fortin, deux épisodes ou autre, mais on a bien avancé, hein. Les gens qui sont là, ah là là, mais ça prend 150 heures pour débloquer ce chapitre 4, c'est du farming dégueulasse, ah là là là. Moi ça m'amuse, moi je trouve ça sympa, ça se fait, ça se bourre. Ça se bourre, ça se bourre. Et surtout, comment dire, c'est logique. Ça prouve le combat que Talion a de défendre les fortins, de refuser la corruption et de continuer à se battre contre un Sauron schizophrène car possédé à moitié par Celebrimbor. Moi je trouve ça sexuel et sexué. Que voulez-vous? Petite halte tab, j'espère que ça fait pas planter l'enregistrement ou j'augmente le son du jeu pour les gens qui suivent en stream. Voilà. Excellent. J'espère, je vérifierai que ça fait pas planter. Allons-y. Très bien, défense ici. Là, il y a une mission, il y a un gars, il a besoin d'aide. Ronk, le mange-rêve, mène une chasse au Caragor. Croche le fort passe une épreuve consistant à tuer un Caragor vorace. Oui, mais tout ceci sont des épreuves, somme toute. Eh bien, écoutez. Voilà. Hop. On va pas cracher sur l'initiative dont font preuve mes forces. On va les aider dans leur entreprise. Hein. Il nous a pas remarqué. Allons donc les triper. J'aime bien, il parle tout seul. Alors, à triompher des Caragor. Et voilà! C'est fait. Très bien, ils sont tous convertis. Ils sont tous convertis. Voilà. Et ils sont tous vaincus. Il a réussi sa chasse. Du coup, il a pas gagné de level, rien. Ah, il a pas gagné de level, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Merde, attendez, je suis level combien? Parce que je pensais qu'il allait gagner un level.
24 points d'attitude, je suis level 53. Il est level 42. Pourquoi il a rien gagné comme level? Surprenant. Surprenant, surprenant, surprenant. Bon, c'est pas grave. Croche le fort, un colosse de la tribu de la machine, sauf j'ai déjà ce que je voulais. Rug le conseiller, un tracker maudit. Blablabla, blablabla, blablabla. Tout ceci est utile. Et croche le fort est level 49. Bon, voyons voir pour les améliorations de siège. Ah, c'est bien ce que je soupçonnais. La forteresse de Serregost est très très mal défendue. Elle est bien en attaque, mais elle est pas bien en défense. Du coup, il me faut les meilleurs. 35, 54, 48, 50, 51. Asgren le maître, garanti. Croche le fort. Je regarde rapidement. Pugle Morphal. Je pensais que Morphal, ça s'écrivait avec un E à la fin. Ouais, c'est de ma faute. C'est une question d'orthographe, bien sûr. On va prendre Garle le Sage. Voilà. Qui est là. Écoute, 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 écoute. Parce qu'il est constamment psychotique. Pache œil brillant. Très très bon défendeur. Et le chef de guerre, ça restera, bien sûr, Rug le Conseiller. Parce que même au level 46, les enfants... Même au level 46, Rug le Conseiller, je vous jure, il déconne zéro. Voilà. Une arme enflammée, une bande de logs, bande de guerriers, bande de chasseurs, on ne voit rien. Une arme maudite. Va juste augmenter son... Il peut pas recevoir d'ordre de... Merde, parce qu'il est chef. Ok, forcément. Bon bah écoute, c'est pas très grave. Mais on ne le sous-estime pas, Rug le Conseiller. Bam! Là, il y a de l'argent. 50, ça veut dire que ma puissance a été augmentée de 100%. Ou pardon. Je vais écouter. Hop. Yeah! Ha! Hop là! Yep. Bim. Excellent. Pardon, excusez-moi, pardon. Hors de mon chemin. Hop là. Ouh là là. Sacré saut le poupée là. Yop. 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 Et voilà. Nous y sommes. Le siège de Carcugor. Excellent. Bob, pour level 60, utilise un boost XP pour les sièges. Boost XP, c'est ce que les gens me spamment sur le chat depuis tout à l'heure. Est-ce que je dispose d'un boost XP? C'est une vraie question, ça. Parce qu'écoute, boost. Boost XP. Voilà, ça dure 2 heures. Ah! Très bien, et je le boost illimité. XP plus 100%. Oh, d'accord, je comprends. Je comprends, je comprends. C'est clair que tout de suite, c'est quand même vachement plus rentable. Je ne sais pas d'où il sort ce boost XP, mais je l'avais. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Je veux du feu, des boucliers, du feu, des dragons, du feu, des boucliers. J'aime le feu. Que voulez-vous? Excellent. Qu'ils viennent. Approchez. Face à la forteresse de Serregost, Zugor le lutteur. Xouap. Oh yeah. Je pensais que ce serait trop facile de débouler ici pour prendre le fort. C'était vrai. Je veux vérifier. Boulier. Ah, bien joué. Petite chope. Tac. Le couteau. À l'épreuve des flèches. Mais est-il à l'épreuve d'un massacre unilatéral et sans aucune forme de pitié? Boulier. C'est bien ce que je pensais. Swoop. On va les tuer, parce que convertir des mecs, c'est sympa.
Mais au bout d'un moment... Oh là 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 là. Ce mouvement incroyable. Putain, il aurait le bras dans le bon sens, il aurait pu faire un dab. Exécuté. Crève. Voilà. Massacré. Esquive. Ah par contre là je suis dans le poison. Le poison c'est pas une bonne idée. Ah. L'explosion. Et merde, ça l'a tué. Ah putain, trop d'explosions de poison. Poison de chier. Ah. Ah. Trop de poison. Le poisson. Wouah. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette phase? Ah. Ah mais chier. Allez. Baga le chanteur est mort. Excellente nouvelle. Ah putain. Je démonte. Tac, tac, voilà, il est mort. Il est mort à l'ancienne. Toi, rends-moi de la vie. Ah. Très bien. Ça fera le taf. Allez, j'ai une cape pendant que ma forteresse vomit de la lave. Lui là-bas, il est bugué. Skip. Tac. 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 Oh putain, ils sont énervés. Ils sont énervés. Et merde. Là. Garde le sage, victime d'hémorragie. Non, il était à l'écoute. Ah, tout va bien. Ah, je vois plus rien. Allez. Tac. Ce n'est pas toi qui gagne, mais moi, en prenant la fuite. Tu es faible. Si tu souhaites prendre la suite, alors fais-le au moins avec le déshonneur. Aucun homme n'est aussi faible que toi. Ah c'est cool, il les insulte maintenant. Trop bien, Talion, il insulte les orques. Il leur fait plus juste des cas ou des trucs un peu au pif. Ah c'est sympa, il leur parle. Moi c'était un de mes seuls regrets en fait. Qui perdait cette habileté à trash-talker les orques. Je trouvais ça dommage. Ouais, c'est ça ta forteresse. J'ai vu des antres de gueules bien mieux gardées. Quoi? C'est ça ta gueule? J'ai vu des mamans faire mieux pour moins que ça. Nous, hop. C'était lui? Non, c'est pas Garde le Sage, quel dommage. Je voulais faire ça, mais je n'ai pas eu la chance. Tu es à moi. Ta pitoyable existence trouvera une utilité dans la servitude. Joins-toi à moi. Je te prête allégeance. Eh bien, eh bien. Je t'épaulerai, Seigneur. Excellent. La carte. Attendez, je voulais mettre la carte, mais parce que je vois plus où sont les ennemis. Plus exactement, où est-ce qu'on aurait pu perdre l'autre? Ouais, on ne saura pas. On ne saura pas. Bon. Oh
là là, ils sont nombreux. Ils sont peut-être un peu nombreux. Et eux, ils viennent de passer. Très bien. Bam. Oh, toujours le combo. Je l'aime bien, ce combo. Hein. Il est garanti, il fait pas mal de dégâts. Il est au petit. Optimisé aux petits oignons. Oui, il se défend. Me bouge dans les flammes, bien sûr, je ne crains pas le feu. Ni le feu, ni la mort. Tac. Tac. Je pensais pas pouvoir le one-shot. Qu'est-ce que c'est qui vole, là? Ouais, il y a une bouteille. Oh. Ah, c'est une bombe! Ah, ah, ah! Tout va bien. Hop! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je sais pas si ça peut être compté comme un dab, cette position, mais en tout cas, c'est une Jojo pose. Oh, c'est mieux qu'au cirque. Oh là là, je serais aux Jeux Olympiques, j'y aurais donné 8 points. Ça, c'est beau, ça. Ah, enfin, qui se défend. Parler de tous les biens qui t'appartiennent, y compris ta forteresse. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Je peux m'emparer de tous les biens qui t'appartiennent, y compris ta daronne. Je suis ton seigneur. Je conquérerai pour toi. Très bien. Et ça se dit conquérerait. J'avais raison. Ok, très bien. Ouch. J'ai pris une dans le tas. Putain, il y a deux légendaires là, par contre, sur le terrain. Garde de fer. Witness. Soyez témoin. Et c'est parti pour la grosse mêlée, mon gars. La guerre. Est-ce qu'elle te plaît? Tu as repris Minas Morgul, pas vrai? Mais ne va pas t'aviser de rechanger son nom. Je commence à m'habituer au nouveau. Pas de problème. Au passage, debout. Ça passe. Ah! Il m'a mis à genoux, il m'a eu. Quoi? On va faire mieux? Lamentable. Mets-toi debout. J'en ai pas encore fini. Très bien! Cette bannière. Voilà. Casser toutes les bannières. Ils sont en train de prendre ta zone B, je sais, mais c'est pas grave. Adaptation. Très bien joué. Là, je m'en suis pris une. T'en sortirez pas comme ça. Zouap. Je ne céderai pas aussi vite. La même. Relève-toi. Notre duel n'est pas terminé. Zup. Ah. Voilà. Quel merdier. Quelle mêlée, brave Jean. Adapté, très bien. Oh. Oh là là.
Dars le désastreux a tué Zoom le fétide. Oh la vache, il s'est téléporté! Oh, il a glissé sur le sol! Mais il est en train de s'en prendre plein la gueule! Tu ne peux pas craquer si vite! Je veux te tabasser encore! Tout le monde fait de Dark! Ce n'est pas vraiment ta victoire, tu le sais, ça! Ah, il m'a remis au sol direct. Ah, oh, il me tue. Et j'ai perdu, brave Jean, j'ai perdu. Cependant, il y a eu quelques glissades. Je sais pas si c'est parce qu'on est en terrain neigeux, mais entre la créature du début qui a fait la glissade sur 8000 km, ces orques qui se sont téléportés ou le reste, ah, et ben tant pis. Oh non! Oh non! Tout va bien! La forteresse est peut-être perdue. Avancez dans le temps, très bien. La forteresse est peut-être perdue. Cependant, le combat, lui, n'est pas terminé. Reprendre les forteresses, tout à fait. Réappropriez-vous la forteresse et poursuivez la guerre des ombres. Tout à fait. Je pourrais buter tous ces gens-là. Et on peut simplement reprendre la forteresse. On gagnerait un temps fou, en vérité. Alors que l'ambiance a complètement changé, hein, de la forteresse. Hein. Oh là 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 là. Remarquez que les ténèbres, la neige, la mort sont maintenant désormais omniprésentes. Mais c'est bien que je perde ça comme ça. Au moins, on voit ce qui se passe dans ce genre de cas de figure. Ok, très bien. Cependant, les... Alors, j'annonce, les ennemis avec des boucliers sont quand même assez OP. Hein. C'est tellement OP. Alors, je veux des zoologues, des défenseurs, des bêtes de siège ardente, des drakes sauvages. Pugle Morphale, qui a survécu à l'attaque. J'aurais changé du meneur d'attaque, s'il vous plaît. Coche le fort. C'est bien, ils sont pas morts, tu me diras. Il y en a un, il est mort dans le tas, mais c'est pas grave. On en a plein des orques. Louga ventre flamme. Ah ben, je l'avais déjà. Bougle maquillé. Ouais, bien. Et Zatra, le gardien des esclaves. Surpuissance, et on s'empare beaucoup plus vite des points. Et on attaque. Les orques motivés deviennent assoiffés de sang et attaquent avec davantage de ténacité. Et ben écoutez, on va prendre ça et on va la jouer sur le long terme. C'est-à-dire que même si on a surpuissance et qu'on devrait capturer les points cruciaux vachement plus vite, on va préférer l'agressivité brute. Voilà. Et essayer de l'emporter comme ça. Ça me paraît être le plus raisonnable. Allons-y! Ceci dit, je réfléchis à une stratégie pour battre ce connard au bouclier. J'ai mon épée de glace, mais ça me paraît insuffisant. Vulnérable à la furtivité. Ah, quel dommage, c'est juste le pire point faible qu'il aurait pu avoir. À l'épreuve du feu, enragé par les brûlures. Très bien. Colosse, détermination. Donc il va falloir le corrompre ou capturer. Quatrième extinction, puissant défenseur. C'est donc pour ça que ces boucliers étaient tellement vénères. Tout s'explique. Tête fragile. Ah, devient hébété lorsqu'il reçoit un tir à la tête. Très intéressant. Et ben on va partir là-dessus. Allez, on y croit. Sauve Rug avant. Ah merde. Tu vas pas libérer Rug? Mais si je capture la forteresse, ça le libère pas. Très bien. Menez cette bataille pour moi et vous aurez vos choupa choups.
tour. Tu crois vraiment pouvoir gagner cette fois? Sache que les défenseurs ont toujours l'avantage. Sauf quand le défenseur c'est toi, devant vous le meilleur fort de tout le Mordor. Il renferme tant de richesses que même dans tes rêves les plus fous, tu serais bien incapable de les imaginer. Mais j'en viens. Et tu sais ce qu'il y a dehors? Vos misérables cadavres en putréfaction. On est tous prêts à se battre. Allez, c'est parti! Alors ils s'imaginent qu'il peut arriver à nous faire fuir rien qu'avec de belles paroles? Ils devraient changer d'avis une fois qu'on l'aura suspendu à ses murailles par les tripes. Excellent! Pendez-les par les couilles! Zouap! Petite ouverture. Petite ouverture pour Vanille. Voilà! Déjà ces fortifications. Allez, allez, sont mortes. S'il nous fait gagner un temps, somme toute, absolument fou. Oh, au sol, minable. Oula, 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 oula. Spec. Tac. Je me disais bien que tu essaierais de capturer cette forteresse. Maintenant, je vais enfin pouvoir t'arracher le cœur moi-même. Nacra la pince! Oulia! Oulia! Moi, je suis le couteau! Brutalisé. Yeah. Excellent, je sais qu'il y a un joyau sur la route, il faudrait que j'aille le récupérer un jour. Voilà, très bien. Pardon. J'aime comme ça stun les gars. Back. Bam. Swing. Ça touche. Bien joué ça. J'ai même pas eu le temps d'échanger des amabilités avec ce connard. Enragé. Adapté. Enragé par la faiblesse. Adapté, merde. J'ai plus d'âme. J'ai plus d'esprit, j'ai plus de pouvoir. Ah merde, à chaque fois j'essaie de passer à travers avec les os de la Laurienne, mais ça ne marche pas. T'es encore loin d'avoir l'avantage, Rôdeur. Finissons-en et vite. Personne n'aime les sièges qui s'éternisent. Je suis d'accord. J'en aurais fini avec toi le temps d'aller pisser. Je te commande. J'attends tes instructions. Bats-toi et meurs pour le pagne. Je te protège. Excellent. Aïe, pas le bon jardin. Debout. Je retourne me battre. Oulier. C'est presque plus facile de conquérir une forteresse que de la défendre. C'est tellement un merdier, chers amis. Prendre Minas Morgul, c'est une chose. Mais maintenant, tout le Mordor est lancé à tes trousses. Baga le conquérant? Tu t'appelles comme ça? T'es sérieux? Allez. Je sais que ça met une sacrée mêlée et un sacré merdier, mais...
Merde, c'était Bagal Conquérant ça? Non, c'est pas lui. C'est Bagal Conquérant ça? Attends. On ne le saura pas. Bon, eh ben écoute, rejoins-moi. Rejoins mon armée. Je suis élu pour vous. J'ai changé d'avis. Tu es Baga le Conquérant. Mais désormais, tu seras connu sous le nom de Baga le Conquis. Tu es certainement. Parfait. Moulier. Excellent. Ne laissez pas passer. Tac 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 tac. Pardon, excuse-moi. Oula, je l'ai poussé un petit peu du bout du sbin. Hop là, et on capture. Bonjour. Il y a des gens qui sont intéressés pour se battre contre moi, je dis pas. Hein. Venez. Hein. Parce qu'ils m'attendent, mais ils sont gentils. Voilà. Courir. Chaka, chaka, chaka. Gluck. J'avoue que Gluck, il y a pas beaucoup d'imagination. Hein. Cependant, Gluck... Ah, Gluck, j'ai un duel contre lui. Je ne suis pas prêt à mourir. Debout. Je vais leur faire payer, maître. Gluck, j'ai un petit duel contre lui qui m'attend. Le mec m'a relevé deux fois. Enfin, il m'a relevé une fois. C'était légitime, la deuxième. C'était un peu... Bon, il y a des fois qu'on va charger la barre. Ça part, tu vas. Ok, très bien. Tire d'elfe, j'ai pas de tire d'elfe. Chier. Impeccable. Comme ça, t'as réussi à mettre un pied dans la place. Nous, on va te le trancher, ce pied. Et après, on te l'enfoncera dans la gorge. Ah ouais? J'ai l'intention qu'il reste attaché. Et tu sais où est-ce que je vais l'enfoncer? Oh, demande à ta daronne hier soir. Le bien sûr, il a résisté au feu. Pourquoi t'as enragé? Enragé par l'immobilisation? Il est en train de rager. Witness! Putain, bien joué. Oh là là, deux mistres! Je suis debout. T'as pas le droit de claim ce kill, c'est pas toi qui l'a fait. Bam! Au sol! Explose! Merde, croche le fort, il est mort! C'est pas grave, on en a plein, ils le remplaceront! Putain, effectivement, ils sont tous enseignements! Chier! C'est pas possible d'être aussi fragile! Les morts-vivants? Moi aussi, il m'arrive de jouer avec les cadavres. Écoute, on peut en discuter. Tu vas juste m'attendre sagement. Et merde, c'est pas grave.
Et au moins sur deux. Je suis là. Bon, il a été relevé pour une raison qui m'obscure. Allez! Dragon sur le terrain. J'y suis. Il a pas l'air d'y être sensible, très bien. Fabricant de trophées. Ah, mon duel. C'est pas grave. J'invoque un deuxième dragon. Enragé par les drakes, mais décidément. Allez. Triomphé des chefs de guerre restants. Je me suis pris une flèche, je sais même pas d'où. Je sais même pas qui m'a tiré dessus. Quel merdier. Allez. Oula 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 oula. Merde, putain, comment ça enragé? C'est dégueulasse, il enrage, il sort de là. Ah, très bien. J'ai à l'infini. Ah mais je suis mort, je sais même pas pourquoi. Il est mort. Ça compte. J'ai récupéré son épée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me le paieras. Je t'arrête la prochaine fois, vermine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as peur? Reste là. Sage. Seigneur de lumière. En avant. Du calme, du calme. Chut. Je suis là. Maman est là. Tu peux me regarder dans les yeux et accepter que tout ira bien. Maman va s'occuper de la capture du fort. Je te protège. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bon, ils ont arrêté de paniquer là pour rien. Ok, très bien. Ça, c'était juste pour la droite. Ça, c'est pour charger la barre. Voilà. Je me rends compte, chers amis, que le bonus d'argent que m'apporte l'arc ainsi que la dague est pas très avantageux parce que je ne bute malheureusement personne à l'arc et à la dague. Ce qui fait qu'au final, même s'ils ont des chances de lâcher du blé, il faut absolument que ce soit l'épée. Or, cette épée a une grande chance de geler la cible. Elle est quand même très très avantageuse. J'en ai gagné une qui est meilleure. Puissance rechargée de 9 en frappant un capitaine BT. Ah, quel dommage que ce soit de la merde. Quel dommage que ce soit de la merde comme ça. Mais du coup, cette dague, c'est peut-être plus avantageux que je trouve une dague. Dégâts de coups critiques, tu vois, qui augmente vachement fort. Dégâts furtifs accrus. Passer brièvement inaperçu après avoir tué un capitaine. Inaperçu après avoir tué un capitaine. Lancé en flamme, courroux, rechargé de 6 lors d'une élimination furtive. Lancé rapide, rechargeant de puissance. Attaque furtive, j'ai toujours la cible. Dégâts de coups critiques accrus, tu vois. Je me dis quelque part, plutôt que de prendre le bonus de dague d'argent et d'arc d'argent, je vais peut-être prendre celui qui me donne plus de focus à chaque fois que je touche un ennemi. Il y en avait un qui faisait ça. C'était lequel? Attends, c'était peut-être là-dedans. 42%, santé régénérée, les tirs à la tête, 30%, 12%, lancer de mots, soigne les animaux morts-vivants,
Concentration de 12, non, c'est pas celui-là. J'en avais un comme ça qui était cool, c'était genre 5 à chaque coup réussi. C'était pas rien. Excusez-moi, je vais le retrouver. Ah putain, mais attends. Puissance rechargée de carte lors d'un coup critique. C'était un truc comme ça en plus. Ah, attends, on va s'équiper de ça et peut-être que... Non. Merde alors. Merde alors. Attendez. Puissance recharge chargée de 4 lors d'un coup critique. Effectue un tir à la tête. Donc ça, c'est potentiellement intéressant, mais je m'en équipe, mais c'est entre parenthèses. Ah, puissance rechargée de 5 lors d'un coup critique. Voilà, c'était le premier marteau. Mes excuses. Voilà. Ça change un peu tout. Allez. Il y a plus d'ennemis là qui sont à genoux. Non, on les a tous eus, hein. Non, très bien. Bon, bah, je vais y aller, Vanilla. Ok, il est temps de reprendre le fortin et la bataille que l'on a perdue. Et Cerigost sera à nous. Et après, Gorgoros. Oh là 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 là. Je suis désolé, mais. Toute cette richesse. Ce bling absolument, mais infini, quoi. Oh là 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 là. La beauté du bling. Petit man spreading de sa part, mais c'est vrai qu'il a des grosses cuisses. J'en ai plus qu'assez de te voir, homme du Nord. Pars-toi de ce fort ou je ferai en sorte que tu ne te relèves plus jamais. C'est une épée de glace, mais elle brûle en feu, hein, les mecs. L'avantage. Merde. Merde, j'arriverai pas à me... J'arriverai pas à donner un coup de lance, voilà, c'est bon. Ils ont perdu les boucliers, ok. Cette arnaque. J'ai utilisé ce sort de nécromancier et ça n'a relevé que Pouic. Oh, l'utilité est douteuse. Hop là. Ah, chier. Je savais que ce bouclier me causait de l'emmerde. Oulia. Au moins plus maintenant. Enragé par les brûlures, peut-être. Arrière. Enough. Suffit. Nous. Hop. J'appelle la garde d'Antonin le Gondoréen. Venez à moi, guerrier. Witness. Soyez témoins. Mais nique-toi! Voilà! Putain,
c'est pas vrai, il se retourne trop vite. C'est cancer, hein. Les victoires obtenues par le Seigneur du Mordor sont rares et ne durent pas. Nous avons le pouvoir ici et nous sommes éternels. Faut pas faire la liaison, faut pas dire et nous sommes éternels. Mais sinon, super speech, hein. J'avoue que c'est un peu plus motivant que Kaa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 
cette attaque de psychopouvoir à distance. Oh là là. En repli. Ah non non non, mais tu n'iras nulle part. Maître dévoué. Oui, 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 on avait compris. Ne résiste pas. Je te tiens. Tu rejoindras mon armée. La seule chose que tu exécuteras aujourd'hui, ce seront mes ordres. Obéis-moi. Bien, merci, maître. Je vais te protéger. Hop. Ah, putain. Perfect. Bam. Très bien. Nous allons utiliser un système de langage et de communication que tu pourras comprendre. Yod. Saucisse. Yod. Beat. Yod. D'accord. Je prends ça pour un viande. Excellent. Tous à la douleur. Où est-il? Où est mon conseiller? Rehugle, le conseiller, level 52. Il a gagné du level quand même. J'attends. Excellent. Level 53. Moi je suis level 55, donc on va continuer à lui donner des ordres. Très bien. Les gens sur le chat qui est là, putain, t'imagines l'or que tu lui donnes du soja, il devient fou. Ah bah c'est sûr, tu peux le menacer avec ça. Pas très vegan cet or. Ah enfin, au bout de 5 levels, il s'excite, hein. Il commence à comprendre que ça y est, il se passe des choses. Allez. Très bien. Skak l'affamé, Orkrèche le poète. Trac le provocateur, Hucbuck le superviseur, Tars le désastreux. Oh, Tars le désastreux, il est encore en vie! Excusez-moi, on ne peut pas terminer cette vidéo tant que ce minable nous fera encore l'affront. Luc à l'autre flamme, par contre, ça c'est garanti. Voilà. Nous fera encore l'affront de respirer. Je marque la cible et on va même envoyer contre lui des gens qui sont pas forcément haut level, histoire de leur faire gagner un peu de. Voilà, histoire de leur faire gagner un petit peu de prestige, histoire d'en faire quelque chose. Alors on va l'attaquer à 57. Très bien. Et on le cible. Excellent. On changera sans doute d'armure pour la prochaine fois, parce que même si ce combo, cette armure est stylée et qu'elle est pratique, les multiples explosions, le fait de tout le temps se battre avec du feu et de jamais avoir de régène, ça complexifie quand même grandement le gameplay, même si c'est extrêmement fun. Sur ce, chers amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans l'ombre du nudisme. Oh, cette roulade. Oh, non pas que tu puisses jamais comprendre.